Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouvel épisode, ma nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais jouer à Door Kicker. Donc, c'est un jeu qui est en alpha, la version 10, voilà. Et surtout, c'est la première fois que je le fais. Je vais jouer au jeu avec vous pour la première fois. Donc, je n'ai encore jamais joué à ce jeu. Je suis juste allé dans les options pour mettre les graphiques que je voulais. Sauf que on m'a dit de bien gentiment aller voir dans mes documents pour éditer le fichier à la main. Peut-être que la musique est un peu forte. Je sais pas si ça marche par contre. Play. Ouais. Donc voilà. J'espère que la musique sera mieux comme ça. Je vais commencer une partie tout de suite. Ouais, allez, c'est parti. Level 1 quoi, on va commencer. Ouais, go. Lock and load. Let's do this. Click and drag to move. Use planning space. Planning mode. Ok. Faut pencher la tête. Life fire era. Exit clear all weapon. Donc là, apparemment, on peut déplacer ces soldats comme ça. Doucement qu'on peut. Voilà, en fait. On it. Tango down on your mark. Okay. Hop. Ok, donc soit. On it. Click and drag to orientate. Oula. I'm on it. Voilà. Il va aller là. Et lui, il va aller comme ça. Right click on trooper for menu. Oula. Une flashbang. Une canonie plus on doors. Primary not available. Reload weapon. Wait for code go alpha. Ok. Donc ça, j'avais vu aussi dans les options, il y a des touches pour par exemple, je crois que c'était A, B, C, mais bon, ça c'est un peu pourri sur le clavier. Je crois que c'était aussi 1, 2, 3, donc pour Alpha, Beta, Charlie, pour pouvoir se déplacer. Enfin, on va dire, toi tu te mets là, toi tu te mets là. Là, toi tu attends Alpha, toi aussi tu attends Alpha. Et après, tu vas juste ici. Bon bah voilà, ils ont ici. J'ai appuyé sur 1 et du coup, voilà. Donc c'est à peu près ce que je pensais. What? Non. Delete. Roger. Voilà. Alors. Lui, on va le mettre là. Et je veux qu'il. Mais je veux pas qu'il l'aide tire là. Non. Got it. Oh, c'est joli, la déformation du. Flash out. Ok. On it. Tango down. Good job. We're done here. Ouais. Donc j'ai pas. Time to beat 15 secondes, ça m'étonne pas. Enfin, 15 secondes sans appuyer sur pause, apparemment, parce que là j'ai pas mis 36 secondes, j'ai dû mettre 2 minutes. Ouais, ça. On va essayer de la. Je vais essayer de la refaire du coup. Non. Donc là. Tu vas. Mais non, mais pas par là. Ah, c'est comme ça qu'on fait.
tu vas me l'envoyer ici. Et toi... Non, oui, toi. Tu vas venir ici. Donc là, hop. Hop. Je crois qu'il y avait qu'un garde qui était là. Et là, ils vont là. Toi, tu vas là. Et tu m'envoies une flashbang ici. Et là, vous allez regarder ça comme ça. Sauf que vous m'attendez que j'appuie sur mon putain de bouton. Ok. J'aurais dû mettre un breakpoint plus haut. Improve de résultat. Ah, 18 secondes au lieu de 15. Bon, je vais peut-être pas monter à essayer de faire les étoiles tout de suite. Je les ferai après la vidéo. Mais voilà, donc on peut regarder le replay. Donc là, ça sert pas à grand chose vu que j'ai déjà la vidéo. Ça peut être sympa de sauvegarder le replay et la vidéo. Ça doit être pour ça que les seules vidéos que j'ai vues quand j'ai regardé le jeu sur YouTube, c'était à chaque fois des vidéos où on voyait juste une partie et c'est tout. Alors que quand j'avais vu le trailer, il y avait beaucoup, enfin, il parlait d'autres choses. Et à chaque fois, les vidéos sur YouTube, c'était juste une mission, ça devait être un replay à chaque fois. Ou alors on voyait comme ce que je viens de faire. Voilà, on va faire la mission 2. Go. Lock and load. Let's do this. Ah oui, on voit là ce qu'ils ont. Après, faut peut-être reconnaître les... Roger. On va essayer de tirer une grenade loin. Affirmative. Toi. Non. Toi, tu vas aller là. Tu vas attendre Alpha. Et quand j'aurai cliqué, tu vas venir comme ça. Voilà, donc là j'ai appuyé beaucoup trop tard. Non, plus comme ça. Allez, toi. Bon, après, j'ai l'impression que ouais, 12 secondes, j'en ai fait 15, c'est déjà pas mal pour la première fois que je vois, je sais pas où sont les ennemis. Oui, donc j'ai l'impression que les soldats sont quand même beaucoup plus forts que les ennemis. Donc ça, je sais pas si c'est voulu ou quoi, mais ouais, donc il y a 4 ennemis. Bon, bah, c'est parti pour la mission suivante. Hein. Fire area, campers. Hein, donc en gros, va falloir que j'aille jusqu'ici pour trouver quelqu'un. Peut-être. À moins que ce soit un mensonge. Je vais profiter pour faire directement hop, une grenade. Je vais faire une grenade par là. Une flashbang. D'ailleurs, c'est lui d'avancer. Et lui, il va avancer comme ça, du coup. Toi, tu vas y aller tout droit, et toi, tu vas y aller comme ça. Oula, oula,
Good job. Camper, c'était bien un peu comme je pensais, une fausse indication. Donc là, ben, j'ai eu 3 étoiles, c'est cool. Aussi, le Pacifade, on peut pas. Enfin, si, Pacifade, oui, refroidi, spécifié, forcément les détails américains. Donc, je viens de voir qu'il y a des stats détaillés. On peut voir, ils ont tué 2 chacun, le nombre de coups qu'ils ont tirés, leur précision, le nombre de coups qu'ils ont pris, le grenade qu'ils ont utilisé, les portes qu'ils ont fracturées, ceux qu'ils ont arrestés, tiens, on peut les arrêter, et s'ils sont blessés ou pas. Apparemment, ils ont une barre d'XP, ils ont été promus même. Non, c'est que pour la mission, c'est pas overall. Et non, on voit pas les armes précises. Ok. Donc ce jeu, je vous ai pas dit, je l'ai acheté sur Humble Bundle. Et en fait, là, en ce moment, ils font leur des ventes, comment dire, des soldes, voilà. Ils font un peu comme les soldes Steam, sauf que là, c'est les soldes de printemps de Humble Bundle dans le Humble Store. Je les ai achetés et du coup, je suis plutôt satisfait d'avoir acheté ce jeu. J'ai acheté un autre jeu en même temps. Je vais voir si je peux vous faire une vidéo dessus. Alors, drag fast through door and choose entry method. Ok. Ben lui, hop. Roger. Ok, got it. Right click to change action. Ah, use spy camera. Kick door. Est-ce qu'on balance une flash blank ou... Bon, on va essayer la caméra. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas à ça près. Alors. Ah bah tiens, en pause on peut tout voir. Donc là, il y a 3 gars ici. Il y a 2 boucliers là, donc je pense qu'ils sont protégés par le canapé. Et le plus embêtant, c'est qu'il y a lui qui est éloigné des autres. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Hop, tu vas me balancer une flashbang ici. Toi, tu vas aller là. Et ça devrait aller. Voilà, c'est parfait. 6 secondes. Et ça, parce que j'ai regardé l'aspect caméra, sinon j'aurais pas pu. Là, est-ce que dans les stats, non, LC, ils ont pas été promus cette fois-ci. Bon. On va continuer. Normalement, dans la vidéo de trailer, il parlait de choisir les armes, tout ça. Ah tiens, là, il y a un point d'interrogation. Et du coup là j'ai pas encore vu. Donc là on sait pas combien il y en a, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et peut-être 10. Donc je pense que c'est juste qu'on sait pas. Waouh. Hein, d'accord. Donc je peux avoir plusieurs personnes. Je vois combien ils ont de flashbang, quelle arme ils ont. Par exemple, lui il a l'air d'avoir une mitrailleuse. ME, pas de pistole, one hand. Pareil. Eux ils ont l'air. Ok. Et en plus, on va essayer. Il y a déployé de mec. Ok, donc il y a déjà ces deux-là qui sont déployés, qui ont pas beaucoup de balles, qui sont... Si, ils ont l'air d'avoir un gilet pare-balles là à droite. Et je peux choisir de mettre quelqu'un d'autre à leur place, apparemment. Bon, je vais essayer quelqu'un d'autre, hein, tant qu'à faire. Là, ils ont qu'une arme. Ils ont qu'une arme. Donc eux, au revoir. Bien gentil d'être passé. Storm, d'ailleurs. Non, c'est leur nom tout en haut. Ouais, le M4. Dans les FPS, en général, j'aime plutôt bien cette arme.
On va commencer par cette porte en fait. Que je réfléchisse. Je vais faire là. On va remonter comme ça, ressortir. La 2, 5, 1, 4, etc. C'est pas cool. 1, 4, 5, 2, 3, 6, c'est du tout. Ouais. Donc on va commencer par là en fait. Donc sphère et. Enfin. Lui il a l'air d'avoir une MP5, c'est ça ? MP5 SD ou M5 90. Ouais, lui il a l'air plus méchant. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors. Là, on va utiliser ça. Ça, bah oui, on va juste l'ouvrir. Oula. Le jeu lag. Donc là, on voit qu'il y en a un à gauche, un à droite. Donc. Non, ouais. Non, pas une breaking charge. T'as des. On va supprimer tout ce qu'il y a là. Voilà. Oula, le jeu lag. Donc je pense que ça va être ma dernière mission. Okay. Alors. Welcome. Ouais, non, pas besoin de gaspiller une... Du coup, je les ai mis l'un sur l'autre, c'est un peu compliqué. Est-ce que... Oui, je peux zoomer. Des deux que j'ai du mal à sélectionner là. Lui il va viser là et l'autre ils veulent pas que je sélectionne. Pause. Et maintenant on va ressortir, on va faire la même chose ici. Hop. Allô, allô. Et lui, il veut, on veut. Donc là, il y a un gars qui est à l'autre bout. Là, il y a carrément eu un endroit bleu de brouillard de guerre parce qu'il n'arrivait pas à rentrer. Okay. Tu vas rentrer, toi, tu vas rentrer, et tu vas le buter. Okay. What? Recharge. Voilà. Vous avez, je sais pas si vous avez vu. Voilà. Bah, je vais devoir finir ma mission avec un seul gars. Je devrais être d'autant plus prudent. Ok, donc lui. Il a pas de. Ah si, c'est parce que je suis allé directement. Voilà. Bon. Mais comme ça vous aurez vu ce que c'est qu'une mission qui est perdue aussi, en même temps que moi. Bah, je vais revenir au menu, voir si replays, last replay. Ouais. Donc je vais pouvoir ouvrir mon dossier. Ouais, ça doit être dans la campagne qu'il y a l'histoire de on gère les armes, l'équipement des gens. Mission générateur, donc on peut choisir la taille de la carte, le type de mission, donc si on veut libérer les otages, détruire une bombe. Non, clear hostile, tuer les ennemis, désactiver la bombe, sauver les otages ou stop exécution. Donc il doit y avoir un otage, ça doit être sauver les otages mais en mode avec un compte à rebours.
Le nombre de troupes qu'on a le droit. Position sereine. Donc les ennemis, s'ils seront forts ou pas forts. Et ouais, si on a le droit d'un sniper, mais celle-là elle a pas l'air d'être cochable. Ou nos visuals intel, donc je pense que c'est si on n'a pas le droit de. S'il y a un brouillard de guerre ou pas, ce genre de choses. Work in progress, donc ce n'est toujours pas fini. Je vous rappelle que c'est une alpha. D'ailleurs, quand j'ai demandé aux développeurs du jeu si j'avais le droit de faire une vidéo, ils m'ont bien dit oui, t'as le droit de faire des vidéos, t'as le droit de mettre de la pub dessus, ils s'en foutaient. Mais ils voulaient vraiment que j'informe que le jeu est en alpha. Enfin, que le jeu n'est pas fini. Même au démarrage du jeu, vous avez pas vu, mais dans l'écran de chargement, il y a un petit message qui apparaît et qui dit la qualité ne reflète pas le jeu dans sa version finale, ce genre de choses. Enfin, c'est une alpha quoi, on est au courant sur ma chaîne quand même. Enfin, j'espère. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Là, on a vu qu'un seul type de mission, les missions où il fallait tuer tous les ennemis. J'aimerais bien faire d'autres types de missions dans la vidéo. Donc je pense que je vais vous faire assez rapidement une autre vidéo sur le jeu une fois que j'aurai avancé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez compris quelque chose que j'ai pas compris. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à aimer ma chaîne, aimer la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, je ne fais pas souvent la pub, mais voilà. N'hésitez pas quand même. Et à la prochaine !